Bonsoir à tous, bienvenue pour le je sais pas combienième live quiz, mais en tout cas c'est le premier avec un invité qui n'est pas dans la pièce. Et vous le voyez là, il est depuis Bordeaux je crois sur sa webcam. Je vous demande d'accueillir l'immense Tony Vérel. Salut Tony. Tu nous entends bien? Salut Maxime, j'espère que tout le monde va bien. Légende, ouais, Tony. Est-ce que vous entendez bien tout le monde sur le chat? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Tony? Tony, tu vas nous faire un essai son pour le chat, les gens, savoir s'ils nous entendent. Pas de soucis, essai son, tout va bien ici à Bordeaux, est-ce avec que la vous pluie. Entendez Stéphane le Texier me dit qu'on t'entend bien, superbe. Impeccable son, merci les gars. Bienvenue donc pour cette 15e ou 16e session du quiz SoFoot. Je vais remercier déjà Tony, je le remercierai à la fin, mais merci d'être le premier invité du coup à distance pour tester un nouveau format. Avec plaisir. Et puis c'était un format pour toi, hein. On a choisi le thème avant, c'était un thème qui était très, très publicité par nos joueurs, nos candidats, et du coup ils voulaient la D1 des années 90. Et quel autre invité que Tony Vérel pour la D1 des années 90? C'est gentil, ça fait plaisir. Et quand c'est pour SoFoot, on trouve toujours des solutions. On arrive à se rendre disponible. Du coup, ouais, parce que Tony nous avait déjà préfacé, on avait même mis une petite pastille, il nous avait préfacé le livre des années 90, livre SoFoot, qui sera le livre à gagner. Donc ah, le premier ce soir gagnera ce livre-là, le livre SoFoot des années 90, préfacé par Tony Vérel. Du coup, Tony, c'est déjà... Tu t'es déjà connecté, je crois. Et du coup, est-ce que tu peux dire au candidat quel sera ton nom pour qu'il te retrouve? Alors, c'est Toons11. T-O-O-N-S et plus pourquoi loin 11. Toons11. Pourquoi ce C'était surnom? Mon surnom dans le foot. Bah, ça a commencé quand j'étais plus jeune, vers 16-17 ans. Tu sais, c'était la mode. On rajoutait des S à tous les prénoms. Borbibs, Stéphans, et moi, je sais pas pourquoi, c'était okay. Tony Toons. Mais du coup, tu l'as gardé en Tony pseudo, Toons. Quoi. D'avoir une. Ouais, j'ai gardé. Je me rappelle que ma première voiture que j'avais, qui était une vieille Honda Civic, quand j'ai débuté en pro, alors à garer à côté de toutes les Mercedes et toutes les grosses allemandes, les joueurs de foot de l'équipe première l'avaient appelé la Toons Mobile. C'était où ça déjà? C'était quelle époque? C'était quel club à quelle époque? À Nancy. C'était à Nancy. C'était à Nancy en 92, janvier 92, mon premier Ils match. Il y avait déjà des Mercedes, les joueurs à Nancy à l'époque. Ça ne rajeunit pas. Ah, il y avait quelques Mercedes, quelques Porsche, ouais. On l'entend de loin, le monsieur, par contre. Le monsieur de SoFoot, vous m'entendez de loin. Alors, je vais peut-être augmenter le son. Vous allez me dire. C'est du direct. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Est-ce que vous avez du son? Il y en a qui disent redoutable sur Gran Turismo, la Honda Civic. Je sais pas si t'es très Gran Turismo toi, mais vous m'entendez mieux ou pas? C'est mieux là ou pas? Oui, c'est mieux. Très bien. Je connais. Impeccable. Ils m'entendent mieux. Toi, je sais pas si tu m'entends mieux, Tony, mais les gens m'entendent mieux. Du coup, on atteint 110 joueurs. Alors pour ceux dont c'est la première, c'est assez simple. Il suffit de se connecter. Donc on a mis un. Tout en haut du live YouTube, sur les commentaires, on a épinglé un lien. Et il suffit de cliquer dessus, de rentrer votre nom et de choisir un avatar. D'ailleurs, c'est quoi ton avatar? T'as choisi quoi, Tony? La petite tête, là, la petite image. C'est-à-dire le petit bonhomme, tu veux dire? T'as pris ce qui venait? Ah, okay. J'ai pas choisi pour l'instant. Bah ouais, je dois être... Alors si c'est ça, je dois avoir un petit bonhomme avec une... C'est j'ai pas fait attention, en fait. J'ai il cliqué, va bien ou j'ai pas? pas choisi l'avatar Ça en te fait. va? Ouais, il a des lunettes, je sais pas ce qu'il a, il tient à la main et une bouteille. Moi qui bois pas. Tu bois pas du tout, j'espère toi? que c'est du jus d'orange. Non, non, enfin, si je bois une fois par an, c'est le bout du monde pour Ok, la c'est nouvelle pour ta année tête et du coup. encore, quoi. Ouais, c'est vraiment Ok. pour trinquer, quoi, on va dire. Mais Ok. c'est vraiment Du coup, rare. pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux dont c'est la première, donc c'est assez simple. Donc c'est un quiz. Et même pour Tony, je lui ai un peu expliqué, mais pas trop. Donc c'est 20 questions. Il y a des questions à choix multiples, donc où il y a plusieurs bonnes réponses. La plupart des questions, il y a une seule bonne réponse. On vous propose 4 réponses et vous choisissez la bonne. Parfois, il arrive qu'il y ait plusieurs bonnes réponses. Je vous dis pas combien.
Parfois, je vous dis combien, parfois, je vous dis pas combien. Quand je vous dis pas combien ou quand je vous dis même combien, il vaut mieux que si vous avez une bonne réponse, alors qu'il y en a deux, trois ou quatre, cochez juste la bonne réponse dont vous êtes sûr, plutôt qu'une autre, parce que si vous mettez une mauvaise réponse, vous arrivez à zéro. Donc, c'est la prudence. Il y a des questions aussi où il faut taper. Donc ça, il va falloir utiliser son clavier. Je vous préviendrai avant. Voilà, les questions font entre 20 et 15 secondes, je crois, aujourd'hui. Il n'y a pas trop d'écart. Il n'y a pas de questions qui demandent un calcul mental comme la dernière fois où je vous avais laissé 45 secondes. Et il n'y a pas de questions trop rapides. Je crois qu'il y a un vrai faux où même je vous ai laissé 20 secondes, je crois. Et donc, ça se joue donc aux bonnes réponses et à la rapidité. C'est-à-dire que certaines questions, par exemple les questions qui font 20 secondes, si vous mettez 2 secondes, les questions valent 1000 points. Si vous mettez une seconde à répondre, ou 2 secondes, vous n'avez plus que 900 points, 3 secondes, 850 points, etc. Et c'est dégressif. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dédicace au Real de Martine, Aurélien Marchon, dédicace au Real de Martine. Bonsoir Charles Aflafon, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y en a que je reconnais? Souvent, il y a des joueurs qui sont là très souvent. Franck Tabanou qui avait déjà gagné, il est là. J'ai vu qu'il y avait Gurvan, j'ai vu qu'il y avait. Il y avait qui? Il y avait Mohamed. J'en oublie, mais bon. Est-ce que c'était clair pour toi, Tony, ou pas, tout ce que je t'ai dit là sur comment jouer? Ouais. Ok. Impeccable, nickel. J'espère que tu es prêt. Je sais pas si on attend encore quelques personnes. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le chat? Ça donne quoi, Gignac contre le Bayern? C'est vrai qu'il y a André-Pierre Gignac. Je sais pas si t'as suivi, si t'as suivi un peu, tu suis encore le foot ou pas, Tony? Ou de loin ou. Oui, un petit peu, mais là, ça me dit rien ce que tu me dis là. Mais oui, je suis de loin, mais enfin, oui, assez Ok. régulièrement quand Mais même, t'as André-Pierre bien sûr. Gignac qui en finale de. Qui Et a c'est emmené son quoi club là? de Tigresse en finale de la Coupe du Monde des clubs et ils affrontent le Bayern là, ce soir. Ouais, parce qu'ils ont battu D'accord, Palmeiras en bien, bien, demi franchement. sur un penalty de Gignac, 1-0. Et je sais même pas quels autres clubs ils ont battu, mais bon, ils pourraient aller chercher le. Bon, ça va être très difficile, mais il y a 0-0 à la mi-temps. Et il y a. Et oui, ce soir, je vous préviens aussi, ce D'accord. soir, il y a l'immense Marc Ziogli qui est présent. Donc Marc Ziogli, c'est un journaliste de la rédaction qui était déjà invité ici avant toi, Tony, et qui faisait des pastilles vidéo. Il est assez connu, il vient pour chercher la victoire. Donc je sais pas si tu vas faire un meilleur score que lui, mais voilà. Tu te sens comment sur un quiz années 90? Bah écoute, ça devrait le faire un peu plus que sur les années 2000 ou les années 60 ou 70, mais Ok, on va t'étais très voir, très hein. foot toi ou t'étais plus. Parce que tu sais, t'as des gens qui sont très fans du jeu et pas forcément de regarder des matchs. Et d'autres au contraire, c'est aussi. Il y en a, c'est des Eh geeks des ben deux, quoi. Ils adorent jouer et en même temps ils. en fait, t'as mis le point exactement. Moi, j'adorais jouer, j'adorais pratiquer le foot, mais alors là, j'étais vraiment une bille. Dans tout ce qui était, pour te dire, la petite anecdote, c'est qu'une fois, on était à Nancy, au début de ma carrière, et on jouait contre Metz, et j'entends parler de Molinari dans le bus, et je lui dis, et je demande, mais il joue quel poste, en fait, Molinari? Et t'as appris que c'était le En fait, président après. voilà, bon, c'est Ok. pour te dire un peu, quoi. Ouais. Mais bon, après, si tu veux, avec le temps, bah, on commence à connaître un peu plus de choses. Mais je regarde Ok. rarement les matchs à la télé, quand même. Est-ce qu'il y en a qui galèrent ou pas? Ouais, il parle de Carlo Molinari, attention messieurs. Et l'autre point important que je souligne à chaque fois, c'est que pour les gens qui viennent pour la première fois, on gardait le même pseudo. Parce on fera un cadeau à la fin de l'année, un cadeau à la prime à la fidélité. Donc les gens qui seront revenus et qui auront joué le plus de quiz, on va calculer tous leurs quiz et ça leur fera un score au global. Donc on fera un petit cadeau pour celui qui est venu le plus de fois, qui n'aura pas forcément gagné, mais qui aura été dans les meilleurs et qui sera venu à tous les quiz. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le Plus monde? Tout à l'heure, j'ai vu fidèle. que Simon Butel galérait. Je sens que je vais plier tout le monde. Simon Butel qui nous dit je galère à m'inscrire. Simon, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est tout en haut. Et voilà. Damien, je suis désolé, tu as changé de pseudo, mais je peux rien faire pour toi. On pourra pas aller calculer parce qu'il y aura trop d'inscrits. Donc voilà. 199 visionnages en cours et on a 162 joueurs. On va pouvoir lancer. Allez, je vous laisse 1 minute encore pour se lancer. Et puis on va pouvoir passer à la première question. T'as jamais fait de quiz de ta vie, toi, Tony? Oh, rarement, pour m'amuser, bah, tu vois, le lundi, j'ai fait un petit quiz avec l'émission que j'ai fait avec les Lensois.
sur les joueurs de Côte d'Ivoire qui ont évolué à Lens, tu En vois, même et temps, j'ai perdu. c'est un angle un peu ténu, hein. Les joueurs de Côte d'Ivoire qui ont joué à Lens, c'est un quiz vraiment, il faut s'y connaître, hein. Parce qu'en fait, l'invité qui était avec nous, c'était Ok. Aruna Dindane. Donc, comme il Il vient est quoi la Côte d'ailleurs, Aruna d'Ivoire, Dindane? apparemment, il expliquait qu'il essaye d'aider les joueurs qui viennent d'Afrique, tu sais, pour justement les aider à s'acclimater au championnat de France ou alors ceux qui ne réussissent pas dans le foot, par exemple. Donc, il leur donne un coup de main et Ah, c'est j'ai cool. trouvé Et du ça coup, il est super en France, sympa. Aruna Dindane? Je crois, oui, si j'ai bien Ok. compris, tu es du côté de Limoges, je Ok, crois, voilà. il me semble. Donc vous savez maintenant, grâce à On Tony, l'embrasse. ce que fait Aruna Dindane, et vous avez eu une petite anecdote sur Molinari. Alors, on va passer à la première question. Je mets le son un tout petit peu plus fort, comme ça, vous allez vraiment bien m'entendre. Est-ce que tout le monde est prêt? On va passer sur la première question. 20 questions, je vous rappelle, et le premier gagne un exemplaire du SoFoot années 90, qui a été préfacé par Tony Vérel, et je vais vous montrer une double. Alors, tu vas me dire, est-ce que tu reconnais le joueur, Tony? C'est la double qui m'a donné l'idée de ce quiz. C'est une double page qui est superbe. Attends, je vais la retrouver. J'ai chanté avec lui. Calderaro, en effet. C'est L'immense Calderaro. François Calderaro. Ouais, elle était superbe. Il y en a qui disent Amara C'est Simba, une superbe Rivaldo. Oh là là. retournée. Bon, allez, on va partir pour le quiz. 170 joueurs, je vois. 125 joueurs, mais il y en a 170 qui sont connectés. J'espère que vous allez pouvoir. Pour les derniers, il suffit juste de cliquer sur le lien tout en haut, là. Le lien qui est épinglé tout en haut du chat. Et vous cliquez dessus, vous avez juste à rentrer votre identifiant. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir partir. Est-ce que Johan, la souris est bien sur le bon écran? J'espère. Et je vais pouvoir faire partir le quiz. Donc, une première question. 20 secondes pour y répondre. C'est une question à choix multiple. Donc enfin, c'est une question avec une seule bonne réponse à trouver. C'est une question sur le trophée UNFP. C'est parti. J'espère que tu es prêt, Tony. Qui remporte en 94 Je le suis à premier fond. titre UNFP de meilleur joueur de D1? Est-ce que c'est Zidane, Ginola, Guérin ou Laurent Blanc? Alors, Je vais mettre Vincent Guérin, mais j'hésite entre et David Ginola et t'as Vincent choisi qui? Guérin. Aïe aïe aïe. Vincent Guérin. C'était Ginola. Guérin, c'était en 95. Ouais, c'est Ah, Ginola en je vois. 94. C'est lui le premier, David, là? Tu me disais quoi? Je t'ai coupé. Non, j'ai dit, j'hésitais entre les deux. Je sais que les deux l'ont eu, mais Ouais, je ne savais pas qui est le c'est premier. David, ouais. Et c'était David. 94, parce qu'en fait, pour le Magnifico, en effet, nous dit Marc Hervez, qui doit avoir une bonne réponse. Il y en a qui disent Calderaro. Non, c'était pas Calderaro, malheureusement. Zidane, meilleur espoir. Guérin, meilleur joueur l'année suivante. Et le meilleur coach, ça a été Luis Fernandez. Et en fait, c'est le premier, les titres UNFP, je ne savais pas, moi du coup je suis allé m'enseigner, c'était en 88 leur apparition, mais ils étaient collectifs, c'était qu'une équipe type. Et c'est qu'avec l'apparition de Canal, Canal a fait pour leur 10 ans en D1 une soirée en 94, et c'est comme ça qu'il y a eu les trophées UNFP qui ont été individualisés. D'ailleurs, il y a toujours un débat là-dessus, est-ce que c'est bien de remettre des trophées individuels pour un sport collectif? Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je pense que c'est pas normal, mais bon, c'est comme ça. Tu sais, il y a le ballon d'or, tout ça. Moi, je pense que une équipe, c'est un résultat. Enfin, quand on gagne un trophée, ça doit être pour l'équipe, parce que chacun a son rôle. Et c'est un peu trop facile. C'est d'ailleurs, je suis mal placé pour dire ça, mais c'est souvent les attaquants qui gagnent ces trophées, parce que c'est ceux qui sont le plus mis en avant, qui ont la chance de marquer des buts. Donc voilà, je devrais pas dire ça, mais pour moi, je trouve que ça devrait être comme il faisait avant, un Et surtout, trophée en fait, collectif. quand on avait fait l'interview avec toi, tu me disais que toi, c'est marrant, pour un attaquant, tu n'étais pas assez individualiste et que tu avais été avec des joueurs qui étaient très individualistes. Tu nous disais toi-même, Sonny Anderson ou Paleta, pour un attaquant, il faut l'être. Peut-être que tu l'as pas été assez. Et enfin bon.
Ouais, bah, en fait, j'ai une formation, moi, d'ailier. Donc, si tu veux, après, je ne critique pas hein, ces joueurs avec qui j'ai joué, qui sont d'excellents joueurs, hein, mais ils sont individualistes, c'est eux avant tout, quoi. Dans les 30 derniers mètres, ils ne voient plus personne. Et il arrive des fois, bon, alors c'est des très grands buteurs, hein, tous ceux que tu viens de citer, mais il arrive des fois que toi, tu vas être à côté, tu as une chance sur deux de marquer, eux, ils ont une chance sur 10, ben, ils vont tenter leur chance, quoi. Alors que moi, en fait, je dis pas que j'ai le temps de calculer sur le terrain, mais si mon collègue a une chance sur deux de marquer et que moi j'ai une chance sur 10, je pense que c'est plus judicieux de Garde lui tes donner, quoi. calculs, c'est bien si tu as des références en calcul, parce que j'aime bien faire des questions un peu calcul. Du coup, d'ailleurs, là, du coup, la slide, c'est pour vous montrer donc le record de points à aller chercher. C'est Fab qui a fait 12 383 points. C'était sur un quiz, je ne sais plus lequel. Donc ce soir, vous savez ce que vous devez aller chercher. Et le record pour un guest, donc toi, Tony, il faut que tu ailles battre les 11 183 points. C'est Mathieu Rollinger, c'est un journaliste maison qui est D'accord. allé chercher ce record sur un quiz l'année 2020. Voilà. Ça commence mal à Ça 15-0. commence Donc mal on pour va moi. voir du coup eh ben Fab qui justement fait partie et le recordman qui est déjà premier avec Vaid deuxième. Vaid il fait toujours des super départs et puis après donc c'est des joueurs qui viennent assez souvent. Vaid fait des gros départs mais après souvent il coince un peu. Et puis après, du coup, toi, t'as 0 point. On va voir. Ouais. Là, je vois ça, ouais. T'es combien? 92e. 92? 92e, ex aequo avec tout le monde. Giovanni qui est devant Mark Ziogli. Mark Ziogli qui est 14e. Il va venir vous chercher, Mark Ziogli. Donc j'aime bien faire un petit tour au début des prénoms, des surnoms. Lady de Nantes, pas mal. Dams la Menace. François Calderaro. Matt Moussilour. En référence à Matt Moussilour, bien sûr. Philippe Racheque. Rage et queue plus loin. Il y a des mecs qui sont assez inventifs hein, ici chez nous. Je vois ça. Et attends, je vais juste aller te voir toi. Toons, tu m'as dit que tu étais 79e? Non, tu es à 92. Tu es avec Non, tous les gens qui ont 0. 92. 92, Tu es avec Charles oups. Aflafond, qui est un de nos. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième question. On va accélérer parce qu'on est déjà 8h18. Et normalement, je dois vous libérer à 21h. Deuxième question, c'est une question QCM. Donc, il y a plusieurs bonnes réponses. Ça peut être. Deux bonnes réponses, trois bonnes réponses, quatre bonnes réponses ou juste une, mais potentiellement tout est possible. C'est parti. Parmi ces clubs, lesquels ont disputé au moins une saison de D1 dans les années 90? Et il faut bien cocher sur plusieurs. Si vous voulez cocher sur plusieurs, vous cochez sur plusieurs et vous faites valider après. Vous cochez pas sur une puis valider, ce sera trop tard. Alors, Châteauroux, Guignon, Martigues ou Toulon? Allez, 3 secondes pour répondre. Qu'est-ce que t'as répondu, Tony? Ouais, bah Les t'avais trois raison, mais c'était dernières. même les 4. J'étais très gentil avec vous aujourd'hui. Toutes les réponses étaient possibles. Donc les gens qui ont D'accord. choisi les 4, qui ont pris le risque de choisir les 4, je ne sais pas s'il y en a eu. Bravo à vous. Mais les 4 réponses étaient possibles. Donc ça, c'est pour être sympa vis-à-vis de vous et pour avoir une bonne image. J'espère que vous êtes content. Du coup, Tony, tu vas. Voilà. J'aurais dû. Ouais. Ch Château Châteauroux, où j'étais ouais. plus sûr. Tu te souviens en quelle année J'étais plus les sûr. autres ou pas? T'as Et pourquoi zéro j'ai dans. zéro, moi? Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas Aïe, validé, aïe, t'as peut-être. peut-être oublié de valider. Est-ce qu'il y en a qui ont. Alors, on va le savoir. Est-ce qu'il y en a qui ont mis plusieurs bonnes réponses, ou trois bonnes réponses, ou deux et qui ont eu des points, ou une seule bonne réponse? Dites-nous. Est-ce que pour savoir si Tony a oublié de valider? Rassurez Tony, s'il vous plaît. Moi. Et t'as eu des points ou pas, soldat Sank? Soldat 5, les 4, 3 sur 4, ouais. Ouais, ils ont eu des points. T'as oublié de valider, quoi, Tony. Ouais, bah, ouais, j'ai. En fait, ouais. J'ai rajouté le Toulon à la fin, parce que je le savais, puisqu'en fait, quand j'ai débuté en Ligue 1, le match d'avant, j'ai pas joué contre eux, mais le match d'avant, l'équipe a joué contre Toulon, ils ont perdu 4 à 2, et il y a eu deux blessés, un suspendu, et c'est ce qui m'a permis d'avoir ma chance en Ligue 1 Donc tu contre remercies Paris les le match Toulonnais, d'après. tu Donc, remercies les Toulonnais j'étais et leur sûr. ils avaient une réputation d'être assez agressifs. Hein. Exactement. C'est Et ils t'ont ça, c'est blessé, ça. ils ont blessé qui dans ton effectif? Merci Toulon. Alors, il y avait Matricia, il y avait Tarasiewicz, Super. Michic qui se sont fait blesser et il y avait Franck Gavas suspendu. Et à l'époque, tu sais, c'était une autre époque, mais on n'était que 13 joueurs. Donc, ça fait que sur un effectif de 13 joueurs,
bah, il te manque trois joueurs, dont quasiment deux attaquants et un milieu offensif. Bah, il était obligé de venir chercher en équipe réserve, en D3. Et moi, à l'époque, je ne jouais pas en D3, je jouais en DH. Mais comme il y avait un blessé, c'était Mustapha Hadji qui était blessé en D3, j'ai joué en titulaire en D3. Et le coach, Olivier Rouillet, est venu recruter donc ce fameux match contre Strasbourg, donc Nancy-Strasbourg en D3. Et il lui fallait un titulaire. Et en fait, il me prend moi titulaire. Enfin, je vais le savoir seulement la fin de semaine, puisque moi, je vais m'entraîner avec les pros. C'était la première fois de l'année que je m'entraîne avec les pros. Et de là, bah, je vais être titulaire le match d'après avec le numéro 11 contre Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain de Georges Weah, Ginola, Bats dans les buts. J'avais Ricardo, Cambouaré sur le dos, C'est quoi. beau ça. Bah merci pour tous ces noms. Hein. J'adore quand tu parles de Carmelo. Attends, c'était quoi? C'est Carmelo Micic? C'est Carmelo, il s'appelle? Ouais. Ah, c'est superbe. Carmelo Ça fleure Micić. bon les années Ouais, 90. c'est Ça, on ça. adore. En tout cas, sur le chat, ils adorent. Ouais, c'est un super Du mec. coup, Châteauroux, c'était On l'embrasse. 87-98. Guignon, 95-96. Martigues, de 93 à 96. Et Toulon, de 90 à 93. Ils sont descendus à 93, Toulon. Du coup, bah, désolé pour toi, hein, Tony. T'es combienième là? Donc, t'es à la fin là. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu dois être même dernier parce Ouais, que tous les gens, je même qui suis. ont répondu une seule réponse, ils ont eu des points. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a quand même des zéro points, mais je suis le dernier des zéro points. C'est pas grave. Je vais me Allez, troisième rattraper. question. Vous avez 20 secondes pour répondre. C'est une question sur le foot en folie. Alors, la VHS du foot en folie, je sais pas si tu l'as eu, mais là, je parle de la VHS du foot en folie, la première édition. C'est parti. Frédéric Jaillant, Thierry Roland et qui complète le trio de commentateurs sur la VHS du Foot en Folie première édition? Parce qu'ils étaient 4 sur la deuxième édition et là ils étaient que 3 sur la première. Est-ce que c'est Jean-Michel Larquet, Denis Balbir, Pascal Praud, Hervé Matou? Oublie pas de valider cette fois-ci, Tony. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais, faut J'ai essayer de essayé de répondre vite. En répondre fait, vite quand on sait aussi. pas, un conseil quand tu sais pas, tu fais vite et puis au moins tu auras plus de points quoi. Ah ouais. Et alors? Aïe aïe aïe, t'as Mauvaise choisi réponse. qui? J'ai mis Jean-Michel Bah, Larquet. Je ne savais pas du tout c'était là. dur. C'est seuls les puristes. Je pense que Marc Zioglil là. Je sais pas s'il l'a, Marc Zioglil, mais. Ouais, incroyable qualité de question, ouais. Et en fait, est-ce qu'il y en a qui savent? Est-ce qu'il y en a qui savent sur le chat? On va voir ceux qui sont vraiment 13 années 90. Est-ce qu'il y en a qui savent sur la deuxième édition, il y a un quatrième commentateur. Dites-moi sur le chat qui est-ce. Sur la deuxième édition. Je suis allé voir. Donc là, c'était Matou, ouais. Et sur la quatrième édition, il y en a un en plus qui commente. Non. Philippe Houy, non. Vincent Hardy, non. Christian Jean-Pierre, ouais. Christian Jean-Pierre Starnovitch. C'est ça. Hervé Matou, ouais. C'était Hervé Matou. T'as eu cette cassette du foot en folie ou pas? Alors, je ne l'ai pas eu, je l'ai déjà vu, parce qu'ils ont dû en passer Ouais. quelques extraits à la télé quand même, je pense. Et ça, je l'ai déjà vu, mais Elle a j'avais été pas la vendue, je cassette. crois. C'est Frédéric Jaillant qui racontait qu'elle a été vendue à 500 000 exemplaires. Ce qui est fou, hein. C'est autant que les yeux dans les bleus en VHS. C'était une autre époque hein, où tu n'avais pas tous les. Maintenant, D'accord. des zappings, tu en as tout le temps avec Internet, mais à l'époque, tu n'en avais pas. Hein. Bien sûr. Bien Mais sûr, bien peut-être que sûr. tu as des talonnades à toi hein, dans cette VHS. Hein. Normalement, il ne mettait pas les gestes Ouais, réussis. ça arrivait, si, il mettait les papillades ou les. Non. Les Amara Simba, je pense qu'ils mettaient quand même. Donc, ils ont peut-être mis une de tes talonnades. C'est quoi ton plus beau geste? Ton plus beau but ou ta plus belle passe ou Non, le mais je truc le plus plaisante. technique? Le plus. Ce qui aujourd'hui marcherait sur YouTube, un truc qui n'y a peut-être pas et où il n'y avait pas de caméra ce jour-là, mais c'est quoi ton geste le plus fou? Une fois, j'avais réussi en match amical, tu sais, à passer la balle derrière ma tête et puis qu'elle repasse devant, tu sais. Alors, j'avais pas le vrai geste que fait normalement le joueur, tu sais, je sais plus comment ils appellent ça. Tu sais, tu bloques ta balle avec tes deux pieds et puis tu la fais passer dans ton dos et tu arrives à lober Ah ouais, t'as fait ton ça. adversaire direct. Une sorte Ouais, une fois en de... match amical. Mais tu vois, Ouais, je vois très bien là, ouais, tu l'as fait passer au-dessus. Et comment ça s'appelle les gens là sur le chat? Est-ce que vous savez ou pas? Ouais, je vois très bien. Tu l'as tenté en amical ça. un amical, mais bon, j'aurais jamais tenté ça en match officiel parce que, premièrement, c'est un peu un manqué de respect à son adversaire. Et puis, vraiment, voilà, tu prends un risque de le tenter. Et moi, je suis pas un chambreur, donc voilà. Même un petit pont, par exemple,
J'ai jamais tenté un petit pont, à part si vraiment j'avais pas d'autre choix. T'es collé au bord de la ligne, t'as pas d'autre choix, mais jamais j'ai tenté un petit pont, quoi. Un grand pont, par exemple, parce que j'avais pas le choix, mais j'aime pas chambrer, en fait. Et ça, bien souvent, quand tu fais un petit pont, ça humilie le joueur adverse, Ouais, quoi. ça humilie, ouais. Mais bon, c'est toujours sympa pour le. Moi aussi, je t'avoue, c'est le seul que je tente en. Je suis pas du tout technique, hein. Mais c'est le seul truc que je tente en quand je fais des matchs amicaux avec mon équipe. Parfois, mais je le fais pas, je le rentre pas en match. Ah, puis j'ai un très mauvais souvenir d'un joueur qui, quand il venait en équipe de France Espoir, il nous pourrissait les entraînements parce qu'il tentait que des petits ponts. Et tu peux pas dire son nom? C'était un Comment calvaire, quoi. c'est passé? Oh, ça serait lui faire trop d'honneur, tu sais. Tu pourras nous faire une devinette. Ouais, il Ah, a il a été été champion champion du du monde monde depuis. depuis, donc. C'est peut-être, je pense que tu me confirmeras pas, mais c'est peut-être du Gary, parce que je me souviens que tu nous avais parlé en équipe de France quand. C'est pareil, c'est dans l'interview, ça s'est sorti, c'est dans l'interview, mais il nous racontait que c'était un match amical avec l'équipe de France, donc tu as joué avec Zidane quand même. Et tu nous racontais que Dugarry te faisait jamais la passe sur le côté gauche et que c'était Lama dans le vestiaire qui s'était plaint de ça. Et bon, du coup, je me dis Dugarry parce que comme Dugarry te faisait pas la passe. Non, mais c'est vrai que c'était lui, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on faisait des réunions d'espoir, et il venait, et son jeu, c'était d'humilier le joueur et faire toujours un petit pont. Mais c'est vrai que quand tu joues et que tu veux gagner le petit jeu, parce que moi, j'étais un compétiteur dans l'âme, et quand tu l'avais dans ton équipe et qu'il tentait 3-4 petits ponts, qu'il perdait la balle et puis et qu'il chambrait les autres parce qu'il en avait réussi un ou deux, c'est vrai que c'était un peu chiant, quoi. Mais bon, après, voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, en tout cas, j'aurais même pas tenté un petit pont en match officiel, parce que pour moi, c'est vraiment T'étais trop chercher à humilier le collectif, toi t'es joueur, trop quoi. collectif, Tony. Oh, je sais pas si j'étais trop collectif, mais bon, j'estime que voilà, je respectais mes adversaires, parce que et c'est. Mais bon, les respecter, ça veut pas dire non plus quand il fallait mettre le pied, je mettais le pied. Mais il y a un certain respect à avoir, quoi. Après, pour en revenir à ce que tu disais sur ce match d'équipe de France, non, c'est pas Zidane qui me donnait pas la balle. Zizou, c'est un super mec, et quand d'ailleurs j'étais en équipe de France, c'est le premier qui m'a encouragé. Donc jamais je me plaindrai sur Zizou. C'était un bon mec, un super Ouais. joueur, et en plus un bon mec, quoi. Oui, non, je disais pas ça, mais c'est vrai que l'anecdote, comme c'était un groupe de potes et que il y avait tout un réseau et que c'était Dugarry le leader, mais enfin, c'est Oui, ça qui m'avait c'était. marqué. Après, tu fais bien de rectifier. C'est la troisième question. Et du coup, Karas est premier, Ambrosius deuxième, Marc Zioglis, je vous l'avais dit, il est présent. Hein. Marc Zioglis, attention. Tony, des nouvelles de Sophie Talman, il y en a qui disent. Attention, il y a une question là-dessus. Donc, j'ai préparé ma question sur Sophie Talman et le reportage de Téléfoot quand même. Donc on y viendra après. Quatrième question. Cette fois-ci, appuie bien, Tony. Voilà, en plus, c'est transition toute trouvée, c'est cette question-là. C'est la quatrième question. C'est parti. En 99, Sophie Talman de Téléfoot rend visite à Tony Vérel pour un reportage qui deviendra culte. En quelle année a-t-elle été élue Miss France? Ça, Tony, c'est une passe décisive que je te donne, ça. Est-ce que c'est en 96, en 97, en 98 ou en 99 qu'elle a été élue Miss France? Bah, pas tout de Je donne la suite. réponse ou pas? Attends, il reste 9 secondes. Mais bon, ça, normalement, tu vas marquer tes premiers points. On pourra remercier Sophie. Normalement, ouais. Surtout dans cette vidéo, j'ai la dragouille en Oui, rigolant, c'est pour donc ça. C'est je parce que tu donne donnes même l'année, l'année. ouais. Du coup, c'est 98, ouais. Sophie 98. Talman, 98, parce que tu vois, il y a une scène mythique. Tu vas mieux la raconter que moi, mais raconte-nous cette scène où tu la dragouilles, ouais. Ouais, c'était sympa. En fait, elle était tellement sympa. Elle a été tellement sympa pendant tout le reportage, parce que mine de rien, ça dure 2 ou 3 minutes à l'antenne, mais bon, on avait pris 2 ou 3 jours de tournage. Et elle a tellement été sympa que quand elle me pose la question de savoir c'est quoi mon type de femme, alors que j'ai pas vraiment de type de femme, je veux dire, c'est pas blonde, brune, en fait, c'est un feeling. Et en fait, je la mets mal à l'aise en disant, bah écoute, mon type de femme, c'est les Miss France. Et je laisse un blanc et je rajoute 98. Donc là, je vois qu'elle fait un sourire un peu gêné, et on a bien rigolé, quoi. Mais bon, c'est resté là, c'est resté très, très diplomate, et voilà, je suis très sympa,
Et j'en garde Et d'ailleurs, je vais en tout mettre cas sur un le super chat, là, je vais vous souvenir. balancer, il y a le lien. En fait, il y a la vidéo, et je ne sais pas si tu as vu, pour les 40 ans de Téléfoot, ils ont ressorti les meilleurs moments de Téléfoot, et ils ont montré, enfin, ils ont fait revisionner la séquence à Sophie Talman. Je ne sais pas si tu as vu. Si, Ouais, bah, c'est sur je crois YouTube. que c'est sur YouTube, non? Ça, on peut le voir sur YouTube. Ouais, j'ai vu ça. Alors ça m'a fait rire parce que en plus dedans elle sort une anecdote comme quoi j'aurais roulé avec ma voiture Ouais. et tu sais autour de la tour de TF1. En fait, j'ai jamais été à Paris avec ma voiture. C'est vrai qu'elle était montée avec moi. Alors j'étais fier de ma voiture parce qu'en fait je venais de la refaire complètement. Elle était grise et je venais de la changer. Tu vois, c'était la voiture qui appartenait à mon père, donc je l'avais récupérée. J'avais voulu un petit peu changer la couleur et puis j'avais mis des belles jantes, tout ça, donc j'étais un petit peu fier de ma voiture, mais j'étais quand même pas narcissique au point de me regarder dans les trucs. Mais bon, c'était rigolo, j'ai vu ce truc. Et tu sais aussi que j'ai vu dernièrement une émission sur les Miss, et en fait, ils montraient toutes les Miss de France, ce qu'elles étaient devenues, tout ça. Et ils remontrent Sophie Talman à un moment donné, et ils remontrent ce qu'elle a fait donc sur Téléfoot. Et quel reportage il montre? Eh bien, bien sûr, celui où je passe avec elle C'est et trop où bien, je la ouais. dragouille un peu, Attends, il y quoi. en a, ils me disent C'était rigolo. 97, elle a été élue en 97, ouais, mais t'es élue en 97, mais c'est l'année d'après où t'es Miss France. Attendez. Ouais, en fait, c'est toujours le mois de décembre. Tu sais, ils font les élections au mois de décembre Ah, et il y en a, c'est ils me pour font des trucs l'année là. Sophie 98, Talman, Miss quoi. France 98. Messieurs, arrêtez de. Vous avez pas eu de points, vous avez pas eu de points. Ah Donc ouais, Tony a c'était eu des Miss points. France T'as eu combien de points, 98. Tony, sur cette question-là? J'ai eu 700, 716 points, ok. 773 points. Bon, on en est là. En même temps, Tony, il est bavard et moi j'aime bien les gens qui sont bavards. Donc du coup, on en est à la cinquième question et ça fait déjà une demi-heure. Mais en même temps, on est bien, donc on va pas se plaindre. Du coup, la cinquième question, c'est une question ouverte. Il va falloir taper. Donc prenez vos claviers, préparez-vous. C'est une question pour laquelle vous avez. Je vous ai laissé 20 secondes. C'est parti. Finale de la Coupe du Monde 98. Dans le 11 titulaire français, citez un joueur qui évolue à l'époque en première division. Il y en a deux dans l'effectif, je vous demande de m'en citer qu'un. Et n'oublie pas de soumettre après, hein. J'ai plus l'écriture. C'est pas grave si je me trompe J'ai sur fait. l'écriture. J'ai accepté deux orthographes. Enfin, il y a. Ouais. J'ai pas mis toutes les orthographes, mais donnez-moi le nom, hein. Juste le nom. Tu m'as répondu quoi? Ouais, c'est bon, ça a été Divar. accepté? Ouais, ça a été accepté, Super. 81 81 points, points. là, t'as mis du temps à répondre. J'ai mis Guivarch avec l'accent et Guivarch sans accent. Ouais. J'acceptais aussi parce que tu sais, comme il est breton, t'as un petit accent entre le C et le H. Ouais, j'ai pas mis l'accent non plus. Je savais plus où il était, moi, en fait, Et le l'accent. Je deuxième, savais qu'il du y en coup, avait un, c'est. mais. Tu sais ou pas? Attends, le deuxième, c'était. Bah tu Non. le vois là dans les Alors là, réponses. je. Si t'as les réponses, tu vois normalement. Il y a 108 personnes qui ont répondu Barthez. Ah, non. Ah, À ouais, Monaco, il ouais. jouait où, à Monaco? Ouais. Guivarch et Barthez. D'accord. Toujours Karas premier, Ambrosius deuxième, Marc Zioglie troisième. Marc Zioglie, il va aller chercher. Marc Zioglie, en plus, il a déjà, comme c'est quelqu'un de la rédaction, il a déjà l'ouvrage. Donc peut-être que si c'est lui qui gagne, il l'offrira ou alors il le gardera pour lui. Il nous permettra d'économiser 29 euros, je crois. Et moi aussi, hein, si je le gagne, je l'ai déjà, donc je peux Ouais, je crois l'offrir, mais que t'es je trop crois que loin. je La suis loin. remontada, c'est pas pour ce soir, je pense. Ah T'as merde. marqué un but contre Barthez ou pas? Jamais, tu sais que c'est le seul. Enfin, quand je dis c'est le seul gardien, je suis prétentieux, mais c'est un des seuls que j'ai jamais, auquel j'ai jamais réussi à marquer. C'est enfin, les deux grands gardiens de l'époque, c'était lui et Lama. Et Lama, j'ai réussi à lui en mettre un, donc j'étais fier. Et lui, un jour, j'avais réussi contre Monaco, à faire un piqué, à quasiment le lober, et il m'a sorti le lob, mais juste du doigt, quoi. Mais c'est vrai que c'était pour moi, c'était les deux meilleurs gardiens Ouais, mais du monde à l'époque. pour toi, c'était lequel le meilleur? Enfin, si tu dois dire, il n'y a pas de. Bah, si... En fait, si tu veux, ils étaient tellement forts tous les deux que pour moi, c'était les deux meilleurs du monde à l'époque. Et les deux avaient des points forts et des points faibles, si tu veux. Enfin, des points forts. Ils avaient tellement de points forts qu'ils avaient peu de points faibles.
Mais si tu veux, c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient joué dans la même équipe, parce que je pense que dans n'importe quelle autre sélection, ils auraient eu leur place titulaire, quoi. Enfin, Bernard aurait eu sa place titulaire dans n'importe Il y en a quelle un, autre il me dit. sélection, quoi. Vas-y, vas-y, À désolé, je ce t'ai coupé. moment-là, mais il est tombé sur moi Ouais. le meilleur aussi, Il y en quoi. a un, il nous dit que c'était Alexander Wenzel qui était le meilleur. Charlie Tange. Charlie Tange, ça pourrait être un invité, À hein. On l'avait déjà eu Strasbourg. en invitation sur un autre truc, sur un autre événement. Mais ouais, Tony Hurtubise. Bon, là, du coup, tout le monde va se lâcher sur les noms. Stéphane Porato. Moi, c'était Valanconi. J'aimais beaucoup le nom de Valanconi, moi. Je sais pas si c'était. J'aime beaucoup ces noms-là. Ah, il y a eu Il y a eu beaucoup de y a bons eu gardiens, beaucoup de ouais. bons gardiens. Hein. Oh là là, t'es réduit là, je sais pas ce qui se passe. Ah, Johan j'ai là, mais intérêt à dire ça. il y a Tony qui a été réduit. Ah voilà. Allez, alors du coup au classement, Karas toujours premier, Marc Zeglis deuxième, Ambrosius troisième, Daniel Dutuel par exemple, cinquième, Sternovic quatrième et Philippe R sixième. T'es combien toi, Tony? Voilà, la petite remontada là. 136e. C'est reparti là. Allez, je vais Alors il remonter. faut trouver l'intrus et je Il n'y a donne que pas sur les deux d'indice. premières. Bon, alors je vais donner un indice, je donnerai un indice au bout de 10 secondes. Non, au bout de 7 secondes 50. Au bout de 7 secondes 50. Non, pas 7 secondes, ouais. 7 secondes 50, je donnerai un petit indice. Trouvez l'intrus. Il y a un indice avec la photo de fond. L'intrus, est-ce Cachou la Jaunie, l'intrus? Est-ce que c'est Justin Bridou? Est-ce que c'est Ticket Restaurant? Ou est-ce que c'est Saint-Maclou? Vous avez un indice avec la photo. La photo, donc c'est Phoenix, c'est les maisons Phoenix. Trouvez lequel n'a pas été un sponsor d'une équipe de D1. Aïe Merde, aïe. trop tard. C'était trop dur ou t'es allé. Qu'est-ce que t'as cliqué? T'as cliqué quoi? Bah c'est bon Saint-Maclou, alors. je crois. Mais j'ai pas. En fait, j'ai comme le temps est passé, j'ai mis Saint-Maclou, mais j'ai Aïe pas aïe eu le aïe. temps de valider. Est-ce que tu sais. C'est pas Non mais grave. ce que je sais, ce qui est cool avec toi aussi comme premier invité, c'est que je sais que j'ai pas eu. Autant il y a des invités, je vous l'avoue les gens, je pense qu'il y a des invités qui. Je vais devoir leur donner les réponses avant, mais ils auront trop peur d'être humiliés par et de faire un mauvais score. Alors que Ridicule. Tony, je sais qu'il s'en fout. Ouais, non, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien pour ceux qui gagnent, quoi. Je veux dire, ça montre que. Et moi, c'est vrai, comme je t'ai dit, bon, je suis pas un but de ma personne non plus, hein, donc Est-ce que on fait tu te tous souviens des alors, erreurs. si je te dis Cachou la Jaunie, c'était sponsor de quel club? Non, alors ça, je peux pas te dire. Il y Il y avait avait Cachou, quoi dans c'était les Toulouse, réponses? Il y avait Justin Cachou Bridou. la Jaunie. C'était C'était Lyon. Auxerre, non? Ah oui, Lyon, oui, tu as Et raison, oui, Ticket Lyon. Restaurant, Et après l'autre? Alors ça ne Nantes. me dit rien du tout, Ticket Restaurant. Et vous, c'était quoi? D'accord, non. Alors nous, on a eu Kia quand on est champion, on a eu Bien sûr. Chopy, on a eu à Lens, oh, j'en ai eu beaucoup, après j'ai eu Pathé quand j'étais à Lyon. J'ai eu Nouvelle Frontière quand j'étais à Bastia. J'ai eu Leclerc quand j'étais à Nancy. Et ce qui est mythique Après, j'en souvent, ai eu pas mal, hein. dans tout ce que tu me dis, ce qui marque les gens sur le chat là, c'est Shopee. Parce qu'en fait, c'est les marques qui existent plus, c'est toujours marrant, tu vois. Bien sûr, ouais, celles qui ont Oh là là, sponsorisé Marc qui Zeugli qui n'existent va plus. choper la première place. Oh là là, Marc Zeugli qui vient vous marcher dessus là. Marc, il est chaud. Karas deuxième, Ambrosius troisième, Sternovic quatrième, Daniel Dutuel, Philippe R. On va regarder un peu en dessous. Momo Barça qui est souvent là, 0 points. The Special Tree, Vaid qui est toujours bon sur les premières questions et après il s'écroule. Est-ce qu'il y en a d'autres que je connais? Maxou, bien sûr. Gurvan, pardon. Oh là là, à chaque fois je l'appelle Gurvan. Non, Daniel Dutuel, c'est le j'ose vrai? pas. Non, je Je me pense doute. pas. Ou alors on le salue, hein. Daniel, fais-nous signe si c'est toi. Si c'est toi, ce serait beau. Mais Ah ouais. non. Salut Souvent les Daniel. mecs, ils prennent des surnoms. Hein. Je pense qu'on a déjà eu des Tony Vérel dans les noms des joueurs, à mon avis. Hein. Ok. Question numéro 7. C'est parti. Quel joueur a révélé l'affaire OMVA? Ah, C'est un ça. indice, c'est un Valenciennois. Est-ce que tu sais ça ou pas, Tony? Ah oui, ça oui. Le pauvre, il a écrit un bouquin.
avec un titre assez Est-ce que tu es sympa. sûr d'avoir la bonne réponse? Parce que moi, Enfin, j'aurais pas répondu j'étais ça, en fait. mort. Je me serais fait avoir, moi. Ah, t'as la bonne réponse, ok. Parce J'ai que la moi, bonne j'aurais mis Jean-Jacques réponse. Edli, je m'étais trop. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit Valenciennois, mais Jacques Glassman. Ouais, il a écrit quoi comme bouquin déjà? Il a écrit Foot et Tu moi l'as la lu ou paix. pas? C'est Foot. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Mais on m'a dit qu'il était sympa. Parce que moi pour la petite histoire, je suis. Enfin, j'aime pas lire, quoi. Je lis très lentement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et ce qui fait que quand j'étais plus jeune, je ne lisais pas les bouquins qu'on me donnait, tu sais, les bouquins comme Croc-Blanc, tout ça. Et en fait, je lis très lentement. Je dois être Ouais, même dyslexique, je pense. en le disant le mot Donc, ce qui dyslexique, fait que. tu bugs. Voilà, tu Mais vois. ça se fait. Ça, Donc. tu vas. Après, tu peux le. Toi, t'as pas pris le temps à cause du foot de le travailler, ça? Parce qu'il y a des docteurs qui. Non, en fait, si tu veux, c'est qu'à notre époque, bah, la dyslexie, ça se, tu vois, tu le soignais pas, quoi. En fait, pour les gens, tu savais pas lire, quoi. Donc, il y a que maintenant, ça se démocratise. Maintenant, moi, je vois mon fils, il a été chez l'orthophoniste, et puis voilà, au bout de quelques séances, il s'est soigné, quoi. Enfin, c'était juste un problème de lecture, et même, il a même suivi des cours d'orthoptie, où les yeux, en fait, ils se dirigent dans la bonne Ça t'a direction jamais pour la posé lecture. problème dans ta carrière Et moi, je pense pour que. lire des contrats ou autre? Non, non, non. Non, non, ça m'a jamais posé de. Je savais lire les contrats, hein, t'inquiète. Non, ce qu'il y a, c'est que je lisais lentement. Si tu veux, je peux lire vite, mais si je lis trop vite, je comprends pas tout ce que je lis. Enfin, donc, il faut que je prenne mon temps pour lire. Et bien comprendre, tu vois, le sens des choses. Mais bon, je lis quand même correctement. Hein, mais par rapport à quelqu'un qui lit sur les prompteurs, par exemple, quand je vois les mecs qui lisent sur les prompteurs, ben moi, j'aurais un petit peu de mal parce que j'aurais peur de me tromper de mot, Bon, d'ailleurs, d'inverser un on mot, parlera quoi. prompteur un peu après avec ton projet de télé-réalité du foot. On y reviendra. Mais du coup, on va aller à la mi-temps. On en reparlera à la mi-temps. On va aller. La mi-temps, donc, c'est la dixième, après la dixième question, quoi. On a un champion d'automne. Et puis voilà. On va un peu accélérer jusqu'à la mi-temps. Et puis après, on reprendra. Du coup, Ça marche. au classement, bah, tu remontes. Et puis, on va partir sur la huitième question. C'est parti. Qui est la seule équipe à avoir battu le FC Nantes lors de la folle saison 94-95? Ils ont perdu qu'une fois cette année-là. Ils ont fait 32 matchs sans défaite. Et ils ont perdu la 33e journée. Est-ce que c'est contre le RC Lens, contre l'AJ Auxerre, contre le Nice ou contre Strasbourg? Tu sais, Tony, ou pas? Ou tu vas mettre au pif? T'as mis au hasard? J'ai mis au hasard. J'ai mis au hasard. Je sais juste que c'est pas Lens parce que je me rappelle de l'année là très bien. Et en fait, quand Lens est venu me recruter, quand ils sont venus me rencontrer avec mon père, en fait, ils jouaient Ok. Nantes juste le match d'après. Et Gervais qui était venu donc pour discuter avec nous, et nous avait dit, vous allez voir, on va être les premiers à les faire tomber. Et ils ont fait 0-0 C'était déjà un exploit, hein. à Lens. Parce que... Comment? Ouais, c'était Ouais, parce déjà un qu'ils font, exploit. Hein. ils font 32 matchs sans défaite, ils finissent meilleure J'ai mis attaque, Nice au hasard. 71 buts, meilleure défense, et ils placent deux joueurs sur le podium des meilleurs buteurs. Est-ce que tu pourrais me dire qui étaient les meilleurs buteurs Les deux joueurs meilleurs buteurs. Il devait avoir Wedek. Ouais. Je pense qu'il devait avoir Wedek. Ouais. Loco Et puis premier, Loco, Wedek non? troisième. Et deuxième, c'était un Lyonnais. C'était qui, à Ah, ton tu avis, vois. le deuxième? Le Lyonnais Kavibia, bien vu. Kavibia, peut-être, non? Désolé, ça te rapporte pas de points en plus, mais. Ah, tu vois les questions qu'il fallait me poser. Ça te rapporte pas de points en plus. T'es bon sur les moments où les questions à 0 points. Oh là là, c'est serré en tête là. Marc Diogli toujours premier, mais il y a Ça. Ambrosius qui le talonne. Et ouais, vous avez 1000 points d'avance hein, sur le troisième déjà. Hein. Marc Diogli va aller chercher le record là. Et c'était qui l'équipe alors qui les a fait chuter? C'était quelle C'était équipe qui a gagné Strasbourg, pardon. alors? T'as Strasbourg? mis quoi? D'accord. Moi j'avais mis Nice, ouais, non. j'avais mis Ils perdent Nice. 2-0 à Strasbourg lors de la 33e journée.
c'était Maurice, le buteur lyonnais. Alors, Caviglia, il était quoi? Caviglia, il était bien à Lyon à cette époque-là. Ouais. Corrigez-moi, de toute façon, vous me corrigez dans le chat dès que je dis de la merde. C'était avec le hack, pardon. Marc Hervez. J'hésitais, je ne savais pas si c'était avec le hack ou avec Lyon. Et bah, c'était avec le hack. Merci à vous d'être là pour me corriger mes conneries. Comme je vous le disais, je m'y connais pas trop en foot, moi. Donc j'avais aussi quoi. Question numéro 9. C'est parti. C'est JPP, Ballon d'Or. Et il a eu le Ballon d'Or en 91. Et il a dédié son Ballon d'Or à un gardien de but de D1. Lequel? Est-ce que c'est Alain Casanova, Fabien Barthez, Pascal Olmeta ou Bruno Martini? C'est des questions un peu dures. Hein. Je vais quand même chercher des questions dures. Hein. Ou alors, il faut avoir lu le livre. Si vous avez lu le livre, le chapitre que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez beaucoup de réponses dedans. T'as répondu, Tony, ou pas? Tu sais? Ouais. Bah, je pensais que c'était Pascal Olmeta, mais ou alors c'est Bah, peut-être Fabien pour te Barthez. consoler, vous êtes 74 à avoir pensé que c'était Olmeta. Donc, c'est la majorité qui a pensé ça. Et non, c'était Alain Casanova. C'était le troisième. C'était le même. Le troisième gardien, c'était la doublure à l'OM, pardon. Et en fait, il restait pendant 3 heures, il expliquait Papin, qui restait tout le temps Oui, après à la séance, il faisait l'entraînement. du rap tout le temps, que sur ses points forts. Donc il faisait des frappes, des frappes, des frappes, des frappes. Et même parfois, c'est Casanova qui lui disait, qui lui en redemandait, quoi. Et donc il lui a dédicacé son ballon d'or parce qu'il lui a dit sans lui, je ne serais jamais arrivé. Ouais, c'est T'avais un normal, gardien comme ça, toi, c'est bien. qui vous servait de. J'en ai eu plusieurs. Alors, à l'armée, j'avais Jérôme Alonso. On était à l'armée ensemble et qu'est-ce que j'ai pu travailler avec lui et qu'est-ce que j'ai pu le. Je me rappelle, Roger Lemaire me faisait des centres. Il se mettait carrément au coin des 6 mètres. Il me faisait des centres, tu sais, vraiment des petits piquets et je lui mettais des volées, des volées, des volées. Quand j'étais à Bastia, j'ai eu Jean-Louis Lecq. Qui est à Lens aujourd'hui et qui était doublure à l'époque quand j'étais à Bastia, donc j'ai beaucoup bossé avec lui aussi. Et Lionel Letizy, quand on était espoir, qu'est-ce que j'ai pu bosser aussi avec lui? On restait des heures et des heures. Donc, oui, j'en ai eu beaucoup des gardiens comme ça et je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai pu marquer bah, autant de buts aussi parce que c'est le travail qui fait la Marc différence. Hein. Ziogli premier, voilà, il s'envole Marc Ziogli, il va nous dire s'il veut bien. Ouais, je sais pas, hein, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais Marc Ziogli, bon, il est quand même parti pour aller chercher le titre là. C'est vraiment un thème. Marc Ziogli qui fréquente les soirées années 90, quand le monde connaissait encore les boîtes de nuit et les bars. Ça n'existe plus maintenant. Mais donc c'est un spécialiste. C'est parti pour la. C'est quoi? C'est la 9e question, pardon. Ah non, 10e question, et après ça sera la mi-temps. Donc on va élire notre champion d'automne. Je pense qu'il est quand même pour toi, Marc Ziogli, ce titre de champion d'automne. Quoique Ambrosius, c'est pas loin derrière, à voir. Faudrait vraiment que tu t'écroules et que. C'est parti pour la 10e question sur Gaëtan Huard. Qui donc, avec Bordeaux, a un record d'invincibilité de 100 176 minutes. Approximativement, à combien de matchs cela correspond? 1176 divisé par 90. Est-ce que ça fait à peu près 10 matchs, à peu près 15 matchs, à peu près 12 matchs ou à peu près 13 matchs? C'est là où je te disais pour les calculs, tout à l'heure tu parlais de calcul, je suis un peu salaud avec mes questions là comme ça. Moi j'aurais été nul pareil. Hein. Mais, 3, 2, 1. Alors est-ce que il y en a qui sont bons en calcul mental? Ouais, la majorité quand même pas trop mal en calcul mental. 13 matchs à peu près. Ça correspond à 13 matchs, il avait fait un record, donc saison 92, il perd 5-0 contre le PSG, après il garde sa cage inviolée pendant 1176 minutes. Donc c'est entre la 17e et la 31e journée, c'est fou, hein. 13 matchs complets. Ah, c'est beau. Et il y en a un qui a battu son record, donc c'est Sirigu qui est pas très loin, 948 minutes, Enyama 1035. Et par contre, il y en a un qui l'a dépassé, mais sur un autre type de record, celui de l'invincibilité à domicile. Est-ce que tu sais quel gardien? Bon, après, bon, si tu suis pas trop le foot, ça va être difficile, mais est-ce qu'il y en a qui savent dans le chat quel gardien a le record d'invincibilité à domicile entre la saison 2005-2000, 2004-2005 et 2006? Il a gardé sa cage inviolée dans son stade pendant 1535 minutes. Est-ce qu'il y en a qui savent? Jeannot, ouais. Jeannot. Pour César Marchal. Ouais. C'est lui qui a ça, qui a. Geoffroy Guichard a gardé sa cage inviolée. Et ben voilà, donc on a notre champion d'automne, qui est Marc Ziogli, qui est bon en calcul mental aussi.
Toujours Ambrosius, Donald Duck, Vahid qui remonte, petite remontée de Vahid. Et toi, du coup, t'es combien là, Tony? Je suis 127e, ok. 127e. Tranquille. Faut juste pas que tu sois relégable, quoi, c'est tout. C'est l'objectif. C'est ça. Bah, du coup, ça va être la petite mi-temps. Moi, je vais m'ouvrir une petite bière. Et puis je vais lancer Tony sur ce projet de. Alors, est-ce qu'on peut lancer ou pas, Johan, les petites 3 minutes, si vous voulez aller faire pipi ou boire, c'est le moment. Si vous voulez aller respirer, prendre l'air dehors, vous pouvez aller pisser, ouais, Romain. Tu peux aller pisser, vous avez 3 minutes. Du coup, ouais, tu avais un projet de télé-réalité sur le foot. Est-ce que c'est toujours dans le pipe? Et ou alors c'est trop compliqué avec le coronavirus et le contexte, t'en es un peu où et qu'est-ce que tu fais un peu en ce moment? Si tu peux nous raconter un peu à nos. Alors en fait, oui, ce projet est toujours d'actualité. Après, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que malheureusement, il y a le coronavirus et puis ça ne serait pas possible de le mettre en place. Mais autrement, oui, il est toujours dans les tuyaux. On a préparé tout ce qu'il fallait. On a même fait écrire la Bible, ce qui est comme le scénario, hein, même si c'est. Pour une émission TV, c'est pas un scénario, mais on a même fait écrire la Bible, faire écrit la on a fait écrire la T'inquiète. Bible, pardon, par quelqu'un qui, tu vois, je suis pas seulement dyslexique et si tu veux par vraiment un pont de la télé-réalité qui est Philippe Stolz et donc oui, moi j'ai travaillé à fond là-dessus. Après, j'ai aujourd'hui j'ai une affaire qui me suit depuis pratiquement 10 ans. Et qui doit être jugé normalement au mois de juin. Donc, ça aussi, c'est une échéance importante pour moi. J'espère pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de cette histoire et d'être enfin, voilà, que le jugement puisse avoir lieu et que le verdict puisse être rendu. Parce que franchement, ça fait 10 ans que ça me pollue la vie. Et je pense aussi que ça m'a pollué la vie pour cette émission qui vraiment est, pour moi, est géniale, quoi. Parce que. Ça serait redonner la chance à un joueur qui a évolué dans le foot ou non, de pouvoir gagner un contrat professionnel. Donc Mais c'est c'est beau, quand même ouais. assez Mais c'est extraordinaire, vrai que quoi. moi on en parlait, mais c'est vrai que ce qui est dommage aussi avec Internet et tout, c'est que tu as des réputations qui se font sur un premier article qui est sorti, où on sait pas, tu as Bien la sûr. présomption de culpabilité plutôt que la présomption d'innocence, avec les réseaux sociaux et même les médias. Hein, je pense qu'on est les premiers à se remettre en question aussi sur foot. Mais du coup, c'est vrai que. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Après, c'est vrai que ce qui est dur, c'est qu'en 5 minutes, tout s'écroule, quoi. En 5 minutes, voilà, tu passes d'une personne qui a toujours voulu respecter les gens, comme je te le disais tout à l'heure, être respectueux et ne jamais. Je bois pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi, je bois pas une goutte d'alcool. Et en 5 minutes, tu as les journalistes qui te disent, parce qu'ils mettent le conditionnel, Tony Vérel aurait été retrouvé ivre sur la piste de danse et qu'il n'aura pas accepté de se faire mettre dehors de la boîte de nuit, alors que, en fait, j'étais dans mon lit à 3 h du matin, quoi. Donc, les gens, parce que c'est de l'information à chaud, ils ont tous les droits, quoi. Et parce qu'ils mettent le conditionnel, ils peuvent te briser la vie, enfin, te briser toute une carrière comme ça parce qu'à un moment donné, il raconte tout simplement Vous m'entendez n'importe là? Il y quoi, en a qui quoi. me disent que le son a baissé. Je sais pas si. Désolé, mais. Est-ce que vous m'entendez sur le son? Sur le chat, dites-moi. En tout cas, ouais. On ne vous entend plus, monsieur SoFoot. Allez. Ça marche bien de mon côté. Ok, très bien. Du coup, ouais. On espère que ça se fera vite. Mais c'est vrai que la justice. Bon, on a chacun. Enfin, pas tout le monde. Mais c'est vrai que ça met parfois souvent du temps. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas le jugement dans la tête des gens, on est toujours attaché à cette C'est histoire-là, ça. ouais. Bon, il va nous rester 10 questions. Là, c'est mon petit instant pub. Normalement, Johan, je sais pas si tu peux passer. Je fais la pub pour la petite boutique que j'ai lancée, la petite boutique de SoFoot. Hop, aïe. Est-ce que Johan est là? Est-ce que je vais aller moi-même? Hop. Non, c'est pas ça. C'était la slide suivante. Pardon, Johan. Faut aller sur l'écran et c'est sur une slide suivante. Désolé. Désolé parce que là on a perdu. Hop. Donc c'est juste de se mettre sur l'autre écran. Hop. Vous suivez tout en même temps.
tu peux te remettre, voilà, hop. Voilà, c'est pour la boutique. Donc là, c'est une photo qui est encore en ligne, mais vous avez le droit en tant que membre du quiz. Vous avez un code promo qui est mis tout en bas de la description. Je crois que c'est. Je sais plus si c'est So Quiz, je crois, ou Live Quiz. Il est en bas, bref, je le remettrai. Mais il est dans la description de la vidéo. Et juste pour vous, il y a notamment cette très très belle photo, c'est les supporters nantais. Voilà. Et il y aura bientôt aussi le hors-série de SoFoot en 50 exemplaires. On a sorti ce hors-série là, hop. On fait des hors-séries qu'on sort c'est hors-série Maradona, mais c'est une édition toute bleue, le bleu albicéleste argentine. Et il sera en vente à partir de demain sur le site de SoFoot en 50 exemplaires. Voilà. Une photo de Tony, les gars, ouais, on va voir si on met pas une photo de Tony. Les Nantais préféraient une photo de Domenech. Sa chambre, sa chambre. Du coup, allez voir boutique.so. Vous avez un code promo pour vous. Question suivante. C'est parti pour la deuxième mi-temps. J'espère que t'es chaud, Tony. Là, c'est la remontada, là. Allez, tu vas nous chercher la Allez, première moitié de classement au moins. C'est parti. C'est une question avec. J'ai fait le signe, mais bon. Avec plusieurs bonnes réponses. Je vous dis pas combien. Et j'ai fait le signe en même temps. Quel club de la Ligue 1 actuelle ne compte aucune apparition en D1 sur la décennie 90? Brest, Reims, Dijon, Angers. Parmi les clubs actuels, le ou lesquels ne compte aucune apparition dans les années 90? Comme je vous le dis, si vous avez qu'une bonne réponse, il vaut mieux mettre qu'une bonne réponse. Alors, c'est bon, Tony? Eh. T'as dit Ouais, qui? j'ai eu juste. Reims et Dijon. celui du dessous, Bravo, t'allais c'était chercher les deux là. Dijon, voilà. Tu te souviens, donc le coup c'est Brest, tu te souvenais qu'ils étaient en quelle année selon toi? Oh, je sais plus, mais je sais que Dijon, ils ont été très tard. Et je me souviens que Reims aussi, ils ont été pendant un bout de temps dans le trou, puisqu'à l'époque, c'était, comment il s'appelle, Robert Pires qui venait de Reims, qui avait été formé à Reims. Et je sais qu'à l'époque, ils étaient seulement au troisième niveau Et français. il y a Marc Zioglis qui s'est écroulé là. Donc Ambrosius en profite pour remonter. Veit troisième, qui revient dans la nuque de Marc. Donald Duck, Carras et à la buvette. T'es allé chercher combien de points, Tony, toi? Je sais pas, mais je crois 400 et quelques, je crois. Non, attends. Si, si, je dois avoir mis 400 points. 400. Du coup, tu remontes à la combienième place? 107e, c'est bien, allez. 107e. Va nous chercher les 100 là, le top 100. Allez. Bon, Allez. allez, Faut que question je sois en dessous des suivante. 100. Et je vais en profiter. Donc, il y a 20 secondes et je vais essayer d'ouvrir cette bière avec ma clé de cadenas de vélo. Du coup, question normale, 20 secondes pour y répondre. Sur le fameux chef-d'œuvre des Nantais en 94, Loco Pedros, quel joueur est l'auteur de la touche au départ de l'action? Est-ce que c'est Coé, Serge Le Disait, Christian Carambeu ou Nicolas Wedek? Allez, moi je vais essayer d'ouvrir ma bière. Ouh, le temps est écoulé juste avant que j'ouvre ma bière. Oh là, alors 41 ont donné la bonne réponse, qui était Benoît Coé. C'est une question dure, ça. Hein. Tu l'avais ou pas? Ouais, je l'avais, mais j'ai été un peu. Je savais que c'était pas Wedek, c'était pas un autre. Enfin, je sais plus les noms, mais donc j'hésitais entre deux. Et j'ai mis lui. C'est Bravo, un là c'est petit peu bien un coup de là. chance. Superbe. Romain qui me demande sur quel type de bière. Bah, c'est pour ceux qui sont là depuis le début, je suis sur une bière qui est la Brasserie du Mont-Blanc. J'achète français, une bière des Alpes. Et la Brasserie du Mont-Blanc en rousse. Voilà. Une très bonne bière qui a eu un World Beer Award, meilleure bière ambrée au monde. Voilà. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, c'est la même depuis le début. Elle est très bonne, ouais. Alors au classement du coup, bah, Tony va remonter. Marc Zioglis qui en profite pour prendre la première place. Et Tony, toi, tu es allé chercher le top 100 là ou pas? 96e. Oui, il est rentré dans le top 96e. 100, bravo. C'est bon ça. Il y en a qui mettent des vannes sur Domenech. C'était pas Domenech sur la touche. Oh, aïe, aïe. Là, ils sont bons. Hein. Ouais, j'ai mis Le Disait, c'était l'arrière droit. Ouais. En fait, Le Disait, normalement, il explique dans l'interview, là, pareil, qui est dans
on décrypte, on allait voir tous les joueurs qui étaient présents sur le terrain ou presque. Et le disait, il était arrière droit et normalement il dit que c'est lui, mais en fait comme Coé dans la fluidité de l'action, c'est lui qui était au contact, il fait tout de suite la touche. Et c'est ça qui fait la différence, comme c'est une contre-attaque, c'est parce qu'il l'a fait tout de suite que ça crée le décalage et qu'il y a le but après quoi, de Loco. Bien et sûr. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Loco qui raconte qu'il a chronométré, il a chronométré, un jour il était devant sa télé, il a chronométré le combien de temps ça met, et à ton avis, il met combien de temps d'aller à la touche jusqu'au but? Oh, ça doit être 8 secondes, ouais. 10-12 secondes. C'est très vite. 8 ouais. secondes. Donc Tony qui remonte dans le top 100, Marc Zioghi qui a toujours la première place, enfin qui reprend la première place, Donald Duck deuxième, Ambrosius, aïe aïe aïe, c'était une question dure en même temps, qui est troisième, Vaid quatrième, Sternovic cinquième et Karas sixième. 8 secondes, ouais. 8 secondes il a mis. Très bon le Coé. Mais allez voir pareil, je vous conseille donc dans le livre. Si vous n'avez pas ce livre, achetez-le, hein, franchement. Je peux que vous conseiller d'acheter des livres au foot, c'est un super magazine. Hop, avec ce. T'as tous les joueurs, on avait fait un superbe. Et c'est un. C'est là où j'ai appris qu'il avait chronométré, voilà. Question numéro. On est à combien de tièmes là? Question numéro 13. Question numéro 13. Attention, il va falloir taper. Donc saisissez-vous de votre clavier. Il va falloir taper. Ça, c'est un classique pour moi, mais je crois que. Et j'accepte. J'accepte une seule faute d'orthographe dans le nom, pas deux fautes d'orthographe. Donc même si vous avez le bon nom, mais que vous avez mis deux fautes d'orthographe, ça ne sera pas accepté parce que j'ai rentré que trois orthographes différentes. Quelle marque sponsorisait les challenges de jeunes à la mi-temps des matchs de D1 dans les années 90? Est-ce que tu sais, Tony? Il faut taper. C'était le challenge. C'était un fournisseur d'accès... Internet. Ah si, peut-être. Et il va-t-il taper à temps? T'as réussi à rentrer ou pas? Non. C'était ouais, j'ai bon, réussi à rentrer, mais c'était pas le bon. Ah ouais. Non, c'est Wanadoo. Orange. C'était le fameux challenge Wanadoo. Et t'es pas le seul à avoir mis orange. Hein. Vous êtes 21. En plus, orange. Ça s'appelait le challenge Wanadoo. Ouais. Ouais. Pour ceux qui En plus, on a le W, le W sur la photo. J'ai mis le W sur la photo. Normalement, s'il y en a qui avaient mis leurs lunettes. T'as des lunettes, toi? Oui, mais ça va encore. J'arrive à avoir le W. Mais juste en dessous, il y avait marqué Wanadoo. J'ai pas filé. C'était à Bordeaux, ça. C'est à Chamond-Delmas, ouais. Ça. Ouais. La photo. Vrai, ça. C'est fou, le tunnel à Chamond-Delmas, il fait 5 km, non? Ah ouais, non, c'était impressionnant. C'était impressionnant quand on avait joué là-bas. Enfin, moi, j'ai joué en plus en tant que joueur. Donc, c'est vrai que c'était hyper long. C'est quoi. Même le stade Lescure, c'est en fait, à l'époque. Il dit sur le chat, le parc Lescure, ouais. C'est ça. Et il se passait c'est des ça, trucs dans ce tunnel ça. Ou pas? Lescure. Non, moi, je non. Certainement qu'il y en a qui ont dû se prendre la tête. C'est sûr que là, quand tu devais retourner au vestiaire... Si tu t'étais pris la tête avec un joueur sur le terrain, là, t'avais le temps de lui dire ce que tu pensais. Mais moi, j'en ai jamais vécu. Ouais. Alors, au classement, du coup, toi, t'as pas eu bon. Marc Zioghi, premier. Ouais, ça, c'était une question pour Marc Zioghi, j'étais sûr. Marc, c'est une question pour toi. J'y ai pensé quand je l'ai mise. Allez. Hein, on est descendu 105e. Faut que t'ailles chercher le top 100 ce soir, Tony. 105. Ah ouais, non. Il y en a, attends, on va aller voir. Minimum. On va aller voir le nom de tes concurrents là. On va leur passer bonsoir là. Tous ceux qui sont autour de toi et qui se battent autour de la 100e place. Je vais descendre pour aller voir les noms de tes voisins. La lutte pour ne pas descendre. On va dire qu'au-delà de la 100e place, c'est ça. Vous descendez en Ligue 2, les gens. Alors, Toons. Alors, t'as Bast 26 à côté de toi. T'as Huguenot, Meugnot, Rick the Freak. Ouais. Et ensuite, derrière toi, t'as Andreu Iniesta. Andreu Iniesta, Pius 63 et José Arribas. Et le chat Tony Gaulle. Voilà. On vous dit bonsoir les gens. Vous êtes face à la légende Tony Vérel pour ne pas être au-delà de la 100e place. Il va rien lâcher, je vous dis. Je connais Tony, il ne va pas lâcher. Question numéro 14. Une question un peu à la SoFoot, un peu insolite. Où là, j'ai mis des réponses un peu marrantes. Donc normalement,
vous ne devriez pas trop vous tromper. Enfin, il y a choix entre deux réponses, sauf si vraiment vous voulez rigoler, quoi. C'est parti. À cause de quelle allergie, bien originale, le Suisse Marco Grassi passe à côté de sa deuxième saison à Rennes en 95-96? Est-ce que c'était une allergie aux chaussettes synthétiques, une allergie aux galettes saucisses, une allergie au protège tibia ou une allergie au punk à chien? Vous avez plus que 4 secondes. 3, 2, 1. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui, la majorité le savent. Est-ce que tu le savais, Tony? Non, mais j'ai mis au hasard parce que protège tibia, je sais que je ne sens pas mauvais des pieds, ni d'ailleurs, je pense. Mais un endroit où je sentais, enfin, c'est peut-être parce qu'on les lave très peu souvent, c'était les protège tibia. Ça, c'était une horreur. J'étais obligé de passer mes protège tibia dans la machine à laver tellement ils sentaient mauvais. Ouais, mais j'étais pas allergique, hein, mais par contre, c'est un endroit, tu vois, autant des pieds. Dans n'importe quelle chaussure, je sentais pas mauvais les pieds, mais au niveau des tibias, voilà, c'était l'horreur. Il était obligé de les laver. Il fait une très bonne saison la première saison, en 94-95, il marque 15 buts, il était associé à Pierre-Yves André. Et la deuxième saison, il a beaucoup de blessures, et notamment cette allergie au protège tibia qui est un peu folle, qui est restée en tout cas dans le livre, pareil, on en parle. C'est assez marrant de dire qu'on est allergique au protège tibia. Après, c'était sûrement la matière. Hein. Ah, c'est un super joueur. Ah ouais ? J'aimais beaucoup le joueur, moi. Mais c'est quoi du coup une allergie au protège tibia? Ça veut dire quoi? Ça se manifeste comment? Je sais pas. Alors ça, faudrait lui demander. Mais je pense qu'à mon avis, il devait avoir des démangeaisons, tu vois, des boutons, des. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un endroit où si tu veux, t'as une matière qui est sur ta peau et si c'est une matière qui te correspond pas, ça peut te provoquer des allergies, je pense. Oh là là, Marc Ziogli qui. Du coup, tu repasses dans les 100, toi. C'est beau, ça. Ouais, 96e. Lâche pas, Tony, lâche pas. Donald Duck, premier. Jacques-Yves, deuxième. Oh, ça va jouer, ça va être à couteau tiré, ça. Vaid, troisième. Karas, quatrième. Ambrosius, cinquième. Sternovic, sixième. Marc Ziogli, qui est deuxième, là. Qui fait 0 points sur cette question. Tu me déçois, Marc. Mais bon, je t'en veux pas. Il te reste encore. On va passer à la question 15. Donc, il te reste encore 5 questions pour aller chercher la place de numéro 1. Il est pour toi. C'est une passe décisive, ce quiz pour toi, Marc. J'espère que tes fans le savent. Et d'ailleurs, le trophée Wanadoo, j'avais une petite vidéo. Je vais la mettre sur le chat. Pour ceux qui ne savaient pas du tout ce qu'était les trophées Wanadoo, en fait, c'était des jeunes à la mi-temps de clubs locaux qui partaient du milieu de terrain pour marquer un but au gardien. D'ailleurs, je trouve l'exercice bien plus compliqué qu'un tir au but. Je sais pas pour toi, Tony, mais de partir tout seul, face à face avec le gardien. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après, c'est un exercice, voilà, qui paraît simple. En fait, quand tu pars au but, même pour un joueur qui part tout seul au but, c'est un contre un, donc ça paraît hyper simple. Mais en fait, il faut bien le jouer, quoi. Et puis ça va vite, hein. Parce que quand tu pars au but, bon là je crois qu'ils ont un temps, je crois, à respecter, non? Donc il faut sur le terrain, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Faut que tu ailles vite et que tu prennes la bonne décision. En fait, tout de suite. Dans ce truc-là, c'est que tu gamberges. En fait, tu pars du milieu de terrain. En plus, t'es un petit minot. T'as tout le stade, c'est à la mi-temps. Les buts paraissent très grands, mais en fait, c'est moi je gambergerais trop. Je préfère un face-à-face où tu tires directement. Ouais, c'est ça, bien ouais. Sûr, vaut mieux un pénalty. Hein. Écoute, j'espère que tu vas que enchaîner avec des bonnes réponses. Hein. Alors, celle-là est un peu dure. Celle-là, moi, j'aurais pas eu la bonne réponse. Bah, si. Question numéro 15, c'est parti. Il y a eu un match fou en 98, Montpellier-Marseille. 4-0 pour Montpellier à la mi-temps, 5-4 pour Marseille à la fin. Qui marque le but de la victoire à la 90e? On rappelle très bien. Pour Marseille. Est-ce que c'est Laurent Blanc, Florian Maurice, Éric Roy ou Christophe Dugarry? C'est dur. Moi, j'aurais pas su. Hein. Mes potes marseillais savaient, mais moi, j'aurais pas su. T'as répondu vite ou tu réfléchis, là, Tony? Non, j'ai répondu vite parce que j'hésite. Je crois que c'est mon pote. Ah non, bah tu vois, j'ai eu raison. C'est Laurent Blanc sur le pénalty, je crois, non? Sur le pénalty, je sais pas. Les gens du chat, vous pourrez nous dire, mais je crois pas. Je crois que c'est dans le jeu.
Roi qui égalise et c'est Laurent Blanc qui marque. C'est ton pote, tu dis Laurent Blanc? Je dis mon pote parce que j'ai cru que Ah oui, j'hésitais aussi pardon. avec Christophe Dugarry. Mais il était sur Bordeaux en plus. Toi, t'es sur Bordeaux du coup et Laurent Blanc, il était pas sur Bordeaux aussi en attendant un nouveau contrat? Si, je l'ai rencontré. Enfin, on l'a rencontré quand on a fait un match avec les anciens de Bordeaux, tu sais, contre la Real Sociedad, les anciens de la Real Sociedad. Et puis je l'ai revu à ce moment-là, quoi. T'as encore des potes du foot ou plus du tout, toi? Si, j'ai encore des contacts, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus tu t'appelles pour les vœux, quoi. Mais si, j'ai encore des super potes, Lionel Letizy, Christophe Delmotte, Wanyu Eloy. Si, j'ai encore pas mal d'amis, Eric Sicora, Lance. Si, j'en oublie certainement, je m'excuse pour eux, hein, mais j'ai toujours plaisir à rencontrer les anciens collègues comme Fred Dehu, enfin, beaucoup de joueurs. José Perfanfan, enfin, il y en a beaucoup avec qui j'ai gardé contact, mais bon, voilà, on s'appelle de moins en moins parce qu'on Ouais. a chacun Mais nos c'est vrai vies que vous êtes aussi, quoi. beaucoup de joueurs à être, tu vois, même Savidan, bah, qui était le parrain du vrai Foot Day, donc l'événement de ce foot là, il est aussi dans le coin. Et il y a beaucoup de joueurs, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont à Ah, il est Bordeaux à alors qu'ils sont pas Bordeaux, hein. forcément originaires de Ouais. Bordeaux, tu vois. Non, non, c'est sûr, bah, il fait bon vivre, hein. Il fait bon vivre, hein. C'est sympathique. Mais j'ai joué avec en Celtic, en championnat Celtic, les plus de Ah ouais, 40 contre ans, lui ou avec avec lui? Steve Savidan. Non, avec lui, avec lui. Mais et tu vois, pourtant, je l'adore, mais il est exactement Ah. comme les attaquants que je te parlais, hein. Et même en championnat Celtic, c'est le même, hein. Comme quoi, c'est pas méchant de leur part, mais bon, voilà, c'est des avant-centres. Et lui, c'est un vrai avant-centre, hein, parce que quand on faisait les championnats Celtic, il marquait Ouais, c'est encore 6 ça, ou il 7 buts adore. par match, Mais hein. nous aussi, hein, il avait fait un match. On a donc Ouais. on a monté le vrai Foot Day qui est un événement de foot amateur. C'était notre parrain. Et du coup, on est allé sur un match. C'était un match amical. Donc il a joué avec une des deux équipes. Et donc c'était la départementale 5 quoi. Et en fait il a joué le match comme si c'était un match d'équipe de France quoi. Et il a mis 3 buts, il a mis un triplé, il Ah était trop ouais. content. Comme si c'était un match tu vois, Non, mais c'est d'un ça, côté quoi, c'est. pareil. Ah oui, non, mais par contre, il voit personne autour de lui dans les 30 derniers mètres. C'est lui, il frappe. C'est là où je voulais en venir aussi. Pourtant, c'est un super mec. Hein, mais si tu veux, c'est la formation avant-centre. Tu vois, les mecs qui sont avant-centre, voilà, c'est dans les 30 derniers mètres, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui existe. Et il y en a, ils disent Tony avec Wanyu Eloy à Fort Boyard, inoubliable. T'as fait Fort Boyard, toi? Ouais, je l'ai fait. C'est pas un super souvenir parce que, enfin, si, ça reste un super souvenir. Mais en fait, j'aurais bien aimé faire des trucs, tu sais, d'aventure, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai eu l'impression de faire que des trucs vraiment qui étaient pas pour les sportifs, quoi. J'ai Désolé les trouvé mecs, on ça papote, dommage, quoi. mais bon, c'est pas tous les jours qu'on a Tony Gall avec nous, donc. Donc si je peux lui demander comment était le père Fouras ou s'il a rencontré la boule, voilà quoi quand même. T'as rencontré la boule et le père Fouras du coup? Non, j'ai Ah bien oui. aimé la bohémienne, moi. Préféré. Elle est différente de la Miss France 98, mais voilà, comme tu dis, c'est pas brune, pas blonde, c'est pas une histoire de brune Ouais. ou de blonde. Donc c'était Laurent Blanc. Du coup Exact. tu passes combien là? Bon, c'est bien Alors, là, allez, va nous 86e. chercher le 50 là. Je suis pas sûr que ce soit possible, mais surtout que la Allez, prochaine allez. question, franchement, enfin, je Allez, je donne suis pas, pas sûr. ouais, je dis rien. J'en ai déjà trop dit. 20 secondes pour répondre et il faut taper. Ça marche. C'est compléter cette suite. Ah, d'accord. C'est parti. 20 secondes pour répondre. Marseille, non attribué. PSG, Nantes, Auxerre, Monaco. C'est ce qu'il faut trouver, les points d'interrogation. Bordeaux, Monaco. J'ai pas compris en fait. Compléter Il cette faut suite comprendre la OM. suite, il faut comprendre ce qui unit c'est tous ces. Il faut trouver. C'est une suite chronologique. Aïe aïe aïe. C'était le RC Lens, c'était les vainqueurs, J'ai pas c'était les compris le sens champions de la question. de France. Et du coup, t'as Marseille en 90, Marseille en 91, non attribué, le PSG, 94, 95, Nantes. 96 Auxerre, 97 Monaco, 98 Lens, 99 Bordeaux, Ah ouais, bah tu 2000 vois. Monaco. 107 à bien avoir répondu. Là, je m'étais dit que je t'aurais fait Ah, une passe décisive, mais bon. En même temps, ces trucs logiques.
Ouais, non, mais j'ai pas compris le... j'ai pas compris. En plus, non attribué, je cherchais Ouais, il y en a pourquoi qui ont dû non bloquer son nom attribué. attribué, c'est ce que je me suis dit, mais c'est comme Marseille, on leur a retiré leur titre en fait. Bah ouais, parce que à cause de Ah l'affaire ouais? OMVA. D'accord, Ouais. d'accord. Ah bah tu vois, ouais. Tu m'aurais parlé des Coupes de France. La Coupe de France qui n'avait pas été jouée justement après le match Bastia-Marseille, là. Là, j'aurais compris. Mais là, je me rappelais. En fait, je n'avais pas le souvenir qu'il Si, leur on avait leur a enlevé, enlevé le mais du titre coup, de ouais. champion de J'ai France. hésité à commencer juste après non attribué, mais je me suis dit que les gens n'auraient pas forcément compris. Bref, c'est pas grave. Il y en a 108 qui ont bien répondu. Du coup, j'espère que tu restes dans le top 100. Bon, bah Je suis voilà. 100, Ce serait un beau pile. signe si tu finissais à cette place. Allez. Il nous reste. Allez. Une, deux, trois questions. Quatre questions. Allez, on va aller vite sur ces quatre questions. On va essayer de finir à 9h30. Donc comme ça, on aura duré 1h30, 2 fois 45 minutes. On est bien. Pile poil, ouais. Pile poil. Alors cette question, c'est pas une question que tu sauras, je pense. Elle est un peu dure. La question suivante, par contre, je pense que tu la sauras. Allez, c'est parti pour la question. Question sur Bernard Lama. Bernard Lama, qu'est-ce qu'il a offert au ramasseur de balles de PSG Rennes en 94? Le ramasseur de balles, il rentre sur le terrain. Avant que la balle sorte, il la donne à Lama. Du coup, ça fait un 1-2. Et juste après le 1-2, cafouillage, but de Gourvennec. Donc Lama, il a pourri le ramasseur de balles. Finalement, Paris gagne 2-1. Qu'est-ce qu'il a offert à la fin? Est-ce que c'est son maillot? Est-ce que c'est son jogging? Est-ce que c'est ses gants? Ou est-ce que c'est ses crampons? Oh, T'as je mis me suis quoi? baladé. Et voilà, c'est bon. J'ai mis ses Il a gants. offert ses gants, ouais. Tu connaissais, tu te souviens cette anecdote ou pas? Non, pas du tout. Non, non, j'ai mis au hasard. En fait, je sais que les gants, les gardiens en ont quand même pas mal. Donc, si tu veux, les crampons, c'est pas une époque où on avait des sponsors individuels, mais par contre, les gardiens ont toujours eu des sponsors individuels Tu pour te leurs souviens des gants. marques un peu? Il y a des marques mythiques de Donc, gants de ils ont. gardien. Moi, je me souviens. Bah, il y avait Du sport. Ulsport, il y avait Ulsport qui était une grande marque de gardien. J'ai d'ailleurs eu Ulsport, moi, comme marque Ah ouais? individuelle à l'époque où j'étais à Bastia. Je devais être un des seuls joueurs à jouer avec des chaussures Ulsport. Mais c'était à l'époque où ils avaient vraiment fait de gros efforts et je jouais avec des chaussures Ulsport. Jusqu'en finale de la Coupe de France, j'avais joué avec Les mes gardiens, chaussures ouais, les gardiens, ils Ulsport. avaient du rush, sinon. Aussi les gants, ouais. C'est ça, Rush, Ouais. ouais, je me rappelle bien aussi de cette marque. Ouais. Là, les gardiens, bah, c'est mythique, mais je me souviens, le ramasseur de balles, il s'est fait pourrir, parce qu'après, t'as un 1-2, Liasser, il le loupe, cafouillage, but de Gourvennec. Et Lama, il était trop vénère, il a pourri le petit, alors que... Mais c'était, ouais, je crois que j'étais au parc, en plus, ce jour-là. Bref, du coup, bah, ça va te permettre de remonter dans le top 100, non? 97, ok. 97e. Marc Zuegli qui allait chercher les points là-dessus, il savait. Veit deuxième, Ambrosius troisième, Donald Duck, Karas, oh là là, c'est serré là. Mais le Marc, normalement, vu les trois dernières questions, ouais, je pense que Marc, à mon avis, sur les trois dernières questions, peut-être celle-là, tu sauras pas, mais voilà, là, Tony, fais-moi plaisir. Hein. Te trompe pas sur la prochaine, hein. C'est un vrai ou faux? C'est un vrai ou faux sur N'avez toi, pas la Tony. pression. Vrai ou faux? C'est un vrai ou faux? Tony Vérel s'appelle en fait Tony Michael Vérel. Tony n'est pas le vrai prénom de Tony Vérel. Vrai ou faux, Tony Vérel, ça peut être en fait Tony Michael Vérel. Vrai ou faux, est-ce qu'il s'appelle Tony Michael Tony. Et non pas Tony juste. Si vous avez lu l'interview, vous le savez. Et c'est vrai. C'est quoi cette histoire, Tony? En fait, c'est mes parents qui ont hésité. En fait, mon frère qui était juste au-dessus de moi, ils hésitaient déjà. Ma mère voulait Stéphane, mon père Gino. Donc, ils ont choisi Gino. C'est mon père qui avait choisi. Et pour moi, ma mère voulait Michael et mon père voulait Tony. Donc, pour pas dire que c'était encore mon père qui choisissait, ils ont mis un trait d'union, Tony Michael. Donc Voilà toute sur ta l'histoire. carte d'identité, il y a marqué Tony Michael. Exactement, avec un trait d'union. Tony Voilà. Michael Donc Vérel. Tony Vérel s'appelle pas Tony Vérel, il s'appelle Tony Michael Vérel. C'est pas le vrai prénom. Le vrai prénom c'est Exactement. Tony Michael. Voilà, vous le saurez. Mais bon, personne ne m'a jamais appelé Tony Michael. C'est vraiment que sur la Bon, carte tu sauras pas. d'identité ou passeport.
Du coup, voilà, c'est pas banal comme anecdote. Bah, pour ceux qui ont lu le numéro 100 de SoFoot, celui-là, là, superbe interview à Tony, nous avait accueilli pendant 48 heures chez lui. Et pour le numéro 100, c'était dit qu'il n'y avait pas de meilleur, interview que de mettre Tony Vérel en couve, une idole qui a bercé notre enfance. Voilà. Et on avait passé des 48 heures super, et c'est depuis que, bah, on est resté en contact. Tony nous avait tellement bien accueillis, nous a raconté tellement d'anecdotes que voilà, je vous le conseille. Et il y a un résumé dans le livre de cette interview où Tony ne cache rien. C'est l'avantage. Avec toi, Tony, t'as toujours, en plus, tu as toujours plein d'anecdotes et tu as une super mémoire. Ça m'avait marqué. Bah, tu sais, quand tu es pendant d'années avec un métier que tu adores, c'est toujours plus facile, quoi. Puis c'est vrai que dans le milieu du foot, bon, tu rencontres beaucoup de gens, tu fais beaucoup de voyages. Donc non, non, c'est sympa, quoi. Franchement, j'ai eu une vie Et tu racontes extraordinaire. pas que ça, pour ceux que ça intéresse, Tony raconte sa toute première fois. On l'a interviewé on a commencé à parler dépucelage, et donc c'est même dans l'interview. Ouais, je crois, ouais. C'est vrai? Tu Je racontes m'en ta première souviens fois, ouais. plus. Tu dis que c'était pas glorieux, ouais. Et tu racontes ta première fois. Tony nous raconte, si vous voulez retrouver le magazine, la première fois de Tony. On mettra peut-être le passage sur le Facebook. Ah ouais, parce que c'était, on était jeunes et c'était avec une fille du Ouais. même âge que moi, donc C'était il y a t'imagines. longtemps. Du coup, Marc est premier, Vaid deuxième, Karas troisième. Marc, il lâche rien, mais il le savait en même temps. Il avait lu SoFoot. Marc, il connaît bien SoFoot, vu que c'est le rédacteur en chef. Vaid, Karas, Fred Darrocha, Philippe Rachqueux. Oh, Philippe Rachqueux, dis donc, t'es parti de loin et tu remontes bien. Et Ambrosius qui s'écroule dans les derniers mètres. Et du coup, il reste deux questions. Je pense que Marc, il va pouvoir taper le record. Avec 1196, 11 000, ouais, là il va forcément avoir le record battu aujourd'hui. Et du coup, t'es à combien toi? T'es où, Tony, là? 91e, c'est bien. 91e. Allez, les deux dernières, la prochaine question, 20 secondes pour répondre, et c'est une question où il faut taper. C'est parti. Trois gardiens ont marqué dans le jeu. Non pas sur pénalty, mais dans le jeu, dans l'histoire de la D1 et Ligue 1. Dont un en 96. Qui est-ce? Je l'ai. J'ai mis plusieurs orthographes, hein. Je Il y a un l'ai. accent dans son nom, vous pouvez même mettre sans accent si vous voulez. Et juste le nom de famille, hein. Mettez pas le prénom. Ouais, pardon. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas mis le prénom. Mettez pas le prénom, mettez juste le nom de famille. J'oublie de spécifier à chaque fois, c'était pareil pour Barthez et Guivarch, il fallait pas mettre le prénom. Désolé pour ceux qui ont mis Fabien Barthez ou Stéphane. Hein? C'était contre mon club. C'était contre mon club, Marc. Ah C'était ouais? contre mon club. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, je l'ai vu à la télé. Et Je alors l'ai c'est vu à la qui? télé ce but. J'étais blessé. Ouais, bah vas-y, c'est Vu bon. que je dis c'est qui? Grégory Vimbé, Bah ouais. c'est Grégory Greg Vimbé. Vimbé, ouais. Tu te souviens de ce but? Bah oui, en fait j'étais blessé. Et j'ai été voir le match parce qu'à l'époque, tu sais, c'était tout au début qui montrait les matchs. Tous les matchs étaient diffusés. J'étais le voir à Sensas Friture. J'étais blessé. Alors, je vais le voir à Sensas Friture. Et quasiment dans les arrêts de jeu, on menait, je crois, à 0 ou il y avait 0-0, je sais plus. Et Greg Vimbé qui monte sur le corner et qui marque un but. La balle, elle revient sur lui. Il fait une frappe en plus. C'est pas de la tête. C'est une frappe et il marque le but Très bonne frite, contre hein, Lens, frite quoi. sans sas, c'est mythique, hein, pour Lens. Les frites sans sas, ouais. Exact. Superbe. T'es C'est allé ça. là-bas, toi? Toi, t'es un homme du peuple. Ben non, en fait, j'allais pas là-bas puisque généralement je mangeais pas trop de frites, on va dire, sauf après les matchs, hein, mais avant les matchs, c'était plutôt des pâtes. Donc j'allais plutôt dans. Il y a un restaurant qui s'appelait le Venezia à Lens que je conseille à tout le monde et qui faisait des plats quand j'étais encore célibataire et puis mes parents n'étaient pas encore arrivés à Lens. Et il me faisait des escalopes milanaises à la Val d'Aosta, avec C'est trop bon les les escalopes pâtes milanaises. et Ouais. c'était mieux. Bah Ouais. ça va être la dernière question, hein. Tony, mais du coup toi t'en profites pour remonter là au classement, je pense. Oh là 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 là, et si t'arrives dans les 78e. 60e, c'est beau, hein. Et normalement la dernière, ouais, tu devrais. Ouais, je sais pas si Tu tu fais dans m'étonnes. la dernière, je pense pas à mon avis. Marc Ziogli premier. Ouais, bah Marc Ziogli, je pense qu'il est inatteignable, hein. Et ça y est, il a pété le record all time. Marc, bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. On peut déjà applaudir Marc Ziogli. Bravo Marc, t'es allé chercher. Mais en même temps, c'était pour toi ce quiz. Je pense pas que. Ouais, t'as même Tony qui t'applaudit.
Tu vois, ça c'est pas tous les jours que Tony Vial t'applaudit. Hein. Je sais pas si tu le mérites, Marc, mais en tout cas, voilà, 12 759 points. C'est beau. Tu vas aller, va me chercher les 13 000 points là, Marc. Et ça va être le record all time. Et Vaïd aussi, Vaïd, c'est dommage pour toi, ouais. Mais Marc te l'offrira peut-être. On lui demandera à la fin. Respect à Marc, ouais. Allez, dernière question. Question. Alors, il y a une équipe des années 90, c'est pareil, c'est Sedan, qui est en finale de la Coupe de France. Et donc, bah, il fallait rendre hommage à cette équipe de Sedan. C'est parti avec une dernière question sur cette équipe du CS Sedan Ardennes. Quel joueur ne faisait pas partie de la mythique équipe sedanaise, finaliste malheureuse de la Coupe de France 99, parmi tous les joueurs? Pius Ndefi, Nicolas Sachi, Alex Di Rocco, Stéphane Noro. Lequel ne faisait pas partie de cette équipe-là? C'est un joueur qui a joué à Sedan, mais pas en 99. Tragique. Est-ce que tu sais? J'ai hésité entre deux. J'ai Ouais. hésité entre les deux derniers. Mais je crois que j'ai mis l'avant-dernier, Aïe. c'était le dernier. T'as mis qui? J'avais mis au début Alex Dirocco. Enfin, non, j'ai mis Alex Dirocco et au départ, j'avais Stéphane mis Noro, celui d'en ouais. dessous. Stéphane Noro, il est arrivé C'était après, il est Stéphane arrivé en Noro, je pense. 2001, ouais. Moi, j'adore ces noms de joueurs en plus. Enfin, cette équipe, Alex Di Rocco, moi, il a un nom d'acteur de film de poule. Et du coup, ça m'a toujours marqué, Alex Di Rocco comme nom. Et puis, Pius Ndefi, ah, c'est un attaquant, il nous a fait rêver, Pius Ndefi, avec sa taille. Oh là là, il allait le chercher. Bravo, Marc Ziogli. 13 495 points. Et Vaïd qui est deuxième. Bravo, Vaïd. Mais bravo à Marc. 13 495 points. Bravo à vous. Marc, tu vas nous dire si tu offres le j'imagine. Tu l'offres quand même. Tu offres le magazine enfin le magazine, le livre à Vaid. Dis-nous, Marc. Voilà, tu vas nous dire. En tout cas, merci à toi, Tony. Si vous avez aimé ce live, si vous avez aimé Tony, lâchez un pouce là. Mettez un pouce bleu là pour que la vidéo elle remonte. C'est comme ça que ça marche. Je suis obligé de quémander. Mais mettez un pouce bleu tout en bas de la vidéo pour la liker. Bravo à Marc Ziogli, bravo à toi Tony, merci d'avoir été avec nous ce soir. Avec Bravo, tu finis plaisir. combien alors? 93e, c'est bien là. 83e. C'est beau ça, Un top c'est beau, 100. dans les top 100, c'est beau à toi. Bon bah merci Tony, hein. Merci à toi, je sais pas si t'as un mot de la fin pour le vainqueur, Avec plaisir. je sais pas, pour la vie, pour le coronavirus. C'est toi, je te laisse conclure. Allez, bah, santé à tous, prenez soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Et regardez Merci et SoFoot. suivez Tony et on suivra ça de près et on quand enfin ce jugement pourra être rendu, on le soulignera que tu étais innocent. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même Et à bientôt endroit, pour l'émission. 20h sur le live YouTube de SoFoot normalement. Ciao ciao, salut tout le monde.